Je vous demande la raison déterminée, Inch'Allah. Donc, fille conférence maintenant, ça t'y donne l'abbé. Donc, demande la guinée. Même de conférence, donc, pour le tout, on peut l'aimer, parce que demande de Black Barrière de temps pour l'abbé. Donc, demande de la vite et faire, Inch'Allah. Donc, demande la guinée. Le premier point, on va le conseiller la guinée. Bien sûr. Donc, voilà. Fille, nous avons des événements l'abbé parce que. Quand on est invité de quoi, tu vois, donc on dit à des bateaux, voilà, tu as depuis qu'il quoi, donc quand tu as invité de quoi, tu vois, donc quand on est invité de là-bas, donc quand on est premier conférence, on est, Inch'Allah. Donc, fondé de Marie, les idées ont été mis à l'écoute. Donc, pour le sac de Comiari, des abeilles, la tomari qu'on a pris, donc pour destination l'abbé. Inch'Allah, donc, mais Harry, pour finir, à Dilan, quoi, tu vois, donc, quand on a dit, mais le ben. Il y a une autre maison, une communauté de Bekonkwa, donc le deux est formé en Kaïde Fort, Inch'Allah. L'artiste Black Barry, vous l'avez déjà vu, il est là, il est à Conakry, il prépare son concert à la baie. Ça va être le début de sa tournée. Vous savez, il a fait un album qu'il a sorti l'année dernière, il va commencer sa tournée. Il y avait eu beaucoup de sollicitations, mais il a préféré débuter en Guinée. Il y a deux groupes tournées prévues également au Sénégal et en Gambie, un peu partout dans la sous-région. Mais Black Barry, aujourd'hui, il a décidé qu'il va faire son tout premier concert ici en Guinée pour débuter sa tournée, en fait. Ça, je pense que c'est un acte que tout le monde doit saluer. L'initiative est venue de label, le label Tiki Prod et Sabugi Prod, qui ont invité Nimba Musique que nous sommes pour organiser le spectacle. Et ça va se tenir le 2 novembre sur l'esplanade de l'aéroport de l'Abbé. Et il faut rappeler qu'il ne va pas être seul, tout seul. Il va être accompagné d'autres artistes également, à savoir Halimaba, Doura Uzi et Lil Fresh. Et beaucoup d'autres artistes également. Après l'Abbé, on peut se tenir à tout le monde. Oui, après l'Abbé, il y aura des tournées qui sont déjà prévues, qui doivent se rendre au Sénégal et ensuite en Gambie et un peu partout dans la sous-région ici. C'est bien prévu, mais ce n'est pas encore officialisé. Vous savez qu'on a créé, il faut qu'on le fasse aussi. Il y a beaucoup de gens qui l'attendent ici, vous l'avez vu à travers les fans, tout le monde retient ses musiques. Donc forcément, il faut qu'on le fasse à Conakry, mais il faut aller mollo mollo petit à petit. Voilà.